Président Association économiste haïtien Eddy Labossière recommande au gouvernement faire inventaire pour identifier, encadrer et puis accompagner victimes et derniers événements. L'économiste l'en fait connaître, conséquences écrasé, brisé week-end passé à pour elle gain en pile impact négatif sur recette yo. Qu'il ait une institution qui a bénéficié prime assurance, qu'il ait un incident présenté risque, Fritz Catalog, un expert dans affaires assurance, a bail quelques explications sur comment question assurance l'ont traité dans le pays d'Haïti, dans le développement journal ça. Fédération nationale et magistrats haïtiens FENAM exprimé désaccord avec Zak Briganda et week-end passé à dans une note yo mettait dehors membre FENAM yo dit yo solidaire avec victimes yo et puis souhaité gain justice qui rend à yo. Et puis après deux jours de déroulement sommet OTAN, président américain Donald Trump montré le satisfait pour engagement toka il y prend. Donald Trump qui accusé 28 états membres Union européenne yo comme quoi yo pas participé assez dans financement organisation traité Atlantique NOAA. Pour ça yo avec un pilote pour le développer dans journal la soir. N'a tourner tout à l'heure. Zami TNH, mais journal en détail kounia, d'après économiste Eddy Labossière, conséquence écrasé brisé week-end passé après elle gain impact négatif sur recette yo. Eddy Labossière parle sous quantité moun qui vin trouver yo nan chômage à cause business yo qui obligé fermer porte yo. Nous invitons suivre yon bout nan déclaration nan micro d'Aline Dorival ak Moïse Wilbridge. Catastrophe là certainement yon nan moun ki pa le payer. C'est bien sûr la population qui va continuer à payer. Mais le gouvernement, tout, en termes de recettes, il y a une incidence vraiment négative sur les recettes. Imaginons qu'on ait des entreprises qui sont obligées de fermer les portes. Ça veut dire en termes clairs, ça veut dire en termes de finances publiques. Mais le gouvernement, par cas, percevant, c'est de taxes indirectes, particulièrement TCA. Et droit d'assise, parce que les entreprises n'existent pas. Si l'entreprise n'a pas existé, pas qu'à taxer. Donc c'est pour le premier effet négatif. Sur les rentrées fiscales, c'est peut-être ça déjà le gouvernement va retourner, dit parlement, tourner le budget à Bali, parce qu'il va être obligé de faire des révisions budgétaires, parce qu'anticipation au secteur pas plat. Mais là, c'est une dimension question, et l'autre dimension beaucoup, encore beaucoup plus grave pour la finance publique. Pas oublier qu'en 2004, ça t'est passé déjà. Mais bien, il était obligé, bah, commerçants et victimes, les franchises. Ils exonèrent de taxes d'impôts, ils même des subventions, même à partir des maigres recettes de l'État. Non seulement le gouvernement parle peut-être probablement de certains secteurs de subventions, mais gros entrepreneurs perdent un paquet de bagages. Mais ils ne sont pas obligés de faire non seulement des crédits d'impôts, mais ils ne sont pas des exonérations fiscales. Donc tout ça, ça veut dire en termes clair qu'en termes de recettes, les recettes de l'État vont baisser. Vous comprenez? Donc, sans compter qu'il y a un bon monde qui perd du emploi. Les gens qui perd du emploi, ça n'y a pas de travail, et n'y a pas de faire déclaration définitive d'impôt. Au titre de l'impôt sur le revenu, DGI va rentrer moins l'argent parce que les gens perdent du job. Ils évaluent déjà, une première évaluation commence à sortir. Ils évaluent à peu près à 3 000 à 4 000 Haïtiens qui perdent du emploi, soit direct, soit indirect. Yon l'autre bord, président association économiste haïtien yo recommande gouvernement pour identifier, encadrer et puis subventionner victimes dernier événement yo. Eddy Labossière souhaite moun ki perdu business yo nan zak écrasé brisé week-end ki sot passé a joine exonération fiscale pour recapitaliser business yo. Toujours nan micro d'Aline Dorival ak Moïse Wilbridge, yon extrait. Nan premier bay nou souhaite ki yo fè, yo fè un inventaire exhaustif de monde qui perd du bagage. Et Jean Modem, on m'a regardé des présidents rencontrés, mais c'est un homme d'affaires que j'ai rencontré. Donc, monde ça certainement va recapitaliser. Comme dans le passé, comme en 2004, sûrement le gouvernement va faire des subventions ou encore et des exonérations fiscales. Donc, mais c'est vrai que le gouvernement, l'enquête préalable, il fait plus une quantité de pépinien. Le gouvernement, effectivement, va permettre de recapitaliser. On peut permettre toujours des facilités de crédit parce que pas bien qu'on n'a pas qu'à calculer de l'argent à la banque. Donc, aider. Quel soit le monde qui fait business en Haïti, quand on va avoir un crédit,
Si pas un contact, si pas une relation, pas besoin. Ça ne devrait pas. En République dominicaine, n'avait pas comme ça. Non. Il y a une banque de population, il y a un fonds d'investissement. Tout dominicain a un projet valable, il y a l'argent prêté. Je dis à ce moment-là, l'argent a besoin de prêter pour monter un studio de télévision, etc. On pas besoin de venir. Et mon pays, comme ça, pas marcher. C'est une bachita autour d'une table pour me poser des problèmes de fonds. Le problème de fonds qu'il y a dans le pays, c'est trop inégalité, trop misère. Qu'il est une institution qui a bénéficié de prime assurance, qu'il est un incident présenté risque, Fritz de Catalogne, un expert dans les affaires assurance, a bay quelques explications sur comment question assurance l'a traité. Dans le micro, Louis-Nel Jean-Louis, à Hervé Pierre. Il y a des dégâts qu'on met. Des dégâts, ça sont des qui planifiés, sont des qui organisés, sont des qui structurés, et sont des qui réalisés, et sont des qui ont succès dans des dégâts faits. OK, donc on pas gain risque là-dedans. Mais vous faites ça au fer, le tout bagage, pas assurer un bagage qui pas gain risque là-dedans. Risque, faut pas gon possibilité que le cas arrive, faut gon possibilité que le pas arrive. Ça sont bagage bien organisé, bien planifié, bien fait, son manœuvre frauduleuse pour atteindre un jour. Premier bagage, bon mettez d'accord. Vous pas assurer comme ça. Ce bagage au café. Le cas font bagage qui aurait des assistances. Qui va gagner pour assurer. C'est le dégât ou bien malheur arrivé. Maintenant, par charité, par bienveillance, je viens, m'assiste. Je n'ai pas d'obligation, non. M'assiste, je charite, je bagaille. Donc, il faut mettre d'accord. Assurer va gagner pour voir ce qui se passe là. Mon compagnon d'assurance qui dit où ça qui passe là, vandalisme, là. OK? Que son huissier et que l'assurer. Donc, quel pays du monde? Depuis le monde est monde, ça, mais la guette assurée, tout. C'est pas là où on bagaille. C'est causalité on bagaille pour vous. Il y a des dégâts faits par la nature. Bon. Je te dis très bon mentaire, c'est pas un agissement humain, c'est bon bagaille calculé, etc. OK? Fritz de Catalogne explique qu'il y a un problème loi dans le pays d'Haïti pour plus bien gérer la question assurance là. D'après les spécialistes, toute compagnie assurance a une spécialité. Toujours dans le micro, Louis-Nel Jean-Louis, à Hervé Pierre, un extrait. En Haïti, nous avons un problème de loi. Nous légiférons sous effet, nous pas légiférons sous cause. Or, c'est cause qui crée effet. Parce qu'on n'a pas une législation sur l'assurance. Quand il y a ces bullshit-là, tout le bon politicien qui a parlé, tout le pays dans le Caraïbe, jusqu'à 2004, c'était deux pays qui n'ont pas de législation sur l'assurance, c'est Belize et Haïti. En 2003, Belize fait une législation. C'est nous-mêmes, jusqu'à présent, pas aucune législation sur l'assurance en Haïti. On n'a pas de crédit sur l'assurance. On a son contrat. Au côté de 4 assurances, ça va vite. Son 4 d'entrée dans le cinéma. Son contrat, il y a des conditions particulières, des conditions générales sous pension. Compagnie d'assurance, une spécialité. Une compagnie d'assurance qui a occupé pension, qui a occupé accident direct, qui a occupé tribunal monétaire. Chaque bagage a une spécificité. Pour l'assurance, il faut que le risque déterminé et que les mutualisés. Je mets tout pour ensemble. Je ne vais pas tricher là-dedans. Assistance, c'est charité. Ouais, c'est l'église, c'est la religion qui fait charité. Un bon dommage qui arrive, donc une bonne gratification. Mon pa, son faveur, c'est mon droit. Assurance, son droit à qui qu'on gagne. Moi, non, en quatre, non. Moi, non, contrat. Yo, le police, elle dit, le contrat, il y a des conditions générales, conditions particulières, on couvre pour tel bagage, tel bagage, tel bagage, on pas couvre pour tel bagage, tel bagage. Donc, de vous parler au contrat d'assurance, on pas assuré. Notre point à développer dans le journal, la député circonscription Belader, la Gershon Guérard, exprimé déception face à la violence qui était éclatée dans la zone métropolitaine après montée prix gaz. La. Député Guérard félicite Moun Belader qui n'a pas voulu yo boule douane là. Cependant, parlementaire a déploré douane en bas Moun Kabrit là yo boule. Nous proposons un extrait. Attaque et incendie que poste contrôle la douane yo subi et nous avons constaté yo incendié et douane en bas Moun Kabrit et nous profiter pour nous féliciter Moun Belader qui était yo même décidé pour te même dormi dans bureau douane ça pour te protéger parce qu'on est ça qui gagne c'est pour yo lié
Et côté incendie douane en bas Monde Cabrit, nous constater attaque qui fait sous douane Malpass et pillage qui fait tout, c'est à partir de injustice que nous décon dénoncer que ti importateur était toujours subi en bas main certains agents douaniers. Fédération nationale magistrat haïtien yo FENAM pas d'accord avec Zak Briganday week-end passé a. Dans yon note yo mette dehors membre FENAM yo di yo solidaire ak victime yo et puis souhaiter gen justice ki rann Ezayo Relus pou yon compte rendu. Nan note sa, fédération di l condamné Zak violence pillage ak vol mouvement tension 6 ak 7 GIA te la cause. Yon seri qui enregistré dans différents coins zone métropolitaine nan et puis qui ouais magasin l'hôtel la banque ak maquette pillé et puis passé en bas flamme tant pour divers autres groupes organisés dans pays a fédération nationale magistrat haïtien yo quoi situation ça pral lagué plus moun nan chômage et puis pral la cause gros état dans économie pays a puis devant FENAM rete quoi doit gen décision qui prend bon côté autorité qui la pour ça yo pour éviter situation ça répéter dans travail pour faciliter bien-être population hein? Et puis mettez moyens pour permettre citoyens yo ak bien rejoindre sécurité. Fédération nationale magistrat haïtien yo souhaité gagne un nouveau gouvernement qui capable rapprocher plus bon côté collectivité a pendant le rappeler importance yo dans développement local là. Pendant le plaider pour autonomie mairie yo, FENAM souhaité yon chita parler en différents secteurs de la vie nationale là et puis renouveler engagement pour travailler ensemble ak bon côté population. Merci Ezayo Aurelius, parti politique patriote rassemblé Parasol, condamné mercredi 11 juillet à Zak violence qui était enregistré dans la zone métropolitaine dans le week-end qui s'est passé. Responsable Parasol, là, Yvon Bonhomme, renouvelé solidarité avec l'administration Moïse avec le gouvernement Lafontaine pendant l'encourager tout secteur dans la vie nationale, la Chita Palais. Jean-chef l'État, pas suspendre mandel là. Yvon Bonhomme, rete quoi, division, crasé, brisé par nos intérêts pays. Entente, unité et dialogue, c'est ça qui a continué qu'un pays sous route développement administration Moïse là commencé à président Parasol là Yvon Bonhomme a porté plus explications dans micro Midray Milias avec Moïse Wilbridge. Parti politique Parasol dit libre note. Libre note côté que depuis après 1986 un groupe monde qui gagne seul projet un groupe apatride yo pa gen ma ki pa gen madame nan pays a ki pa gen petite nan pays a ki pa gen kay nan pays a ki pa gen rien nan pays a groupe apatride sa yo ki yo même a dénoncer FMI pendant yo même y a diriger ONG yo même ki casser rien l'état yo gen seul projet détruire pays d'Haïti nous même comme parti politique nous prend note et nous souhaitons que la population haïtienne dans tout libre note. Parti politique Parasol dit population haïtienne nan, vendredi après-midi t'est fâché à cause gouvernement t'est ajusté prix gaz là. Et nous même comme parti politique nous joignons voix nous trois avec voix population haïtienne nan contre façon que yo t'est ajusté prix gaz là et revendication peuple là l'irréel nous supporter du même coup parti politique Parasol prend note tout côté premier ministre là avec président république là te retourner sous décision ça c'est pas première fois ni seul côté gain des dirigeants qui yo même parfois prend décision yo pense qu'a bon pour peuple yo et peuple yo même yo pas d'accord et le ça dirigeant l'état yo retourner sous décision parti politique Parasol condamné à toute force sans réserve tout malfrat soi-disant qui dit y a fait politique mais plus gros façon pour faire là c'est calendrier déchoucage calendrier crasé brisé nous même messieurs dames ça qui content frapper l'estomac nous pour nous bouler tout ça pays a gagné
qui ça n'a dit qu'on y a avec pile maman, papa, petit qui tombe dans le chômage parce que quand tu as travaillé, tu as boulé, tu as pillé. Qui ça n'a pas comme plan? Parce que c'est des dizaines de millions de dollars américains de déficit qu'a fait. Qui ça n'a dit à moun ça? Nous même comme parti politique responsable. Et c'est une raison que je dis, nous formuler demande ça avec la presse. Parti politique parasol a demandé la presse pour le tabac un fichier technique sous tout le monde qui a fait événement, surtout événement politique dans le pays. C'est le moment pour nous prendre une deuxième pause dans le téléjournal. Ça, nous allons tourner dans un petit moment. Le journal là pour poursuivre avec sénateur Niplan Denis Kado qui c'est tout président plateforme politique Bouclier qui dit le regret zak violence qui t'ai gen week-end passé a après gouvernement te fin augmenter prix gaz là. Selon responsable Bouclier a pour population reprendre confiance dans exécutif là faut que l'état résoudre. Yo extrait dans micro Fedner confident avec Moïse Wilbridge. Par rapport à événement qui est passé le week-end dernier, vu que la population lui-même lui réagit sous question prix et sanction à pompe, nous dit que de bon ton pour que le premier ministre ainsi que le gouvernement libère le président pour permettre que il y ait de l'autre négociation qui fait pour monter une nouvelle équipe qui est capable de prendre destin pays en main. Nous parler avec le président, nous balle position, nous connaît position nous. Nous estimer que nous fait travail pas nous. Rete lui-même en tant que premier mandataire nation qui capable de choisir entre ça nous voulait et ça lui-même lui voulait et responsabilité lui-même lui incombe à lui. Il y a deux camarades qui t'a souhaité que nous aller vers interpellation premier ministre. Il y a un groupe qui est d'accord, mais il y a un autre groupe tout qui dit que, étant donné que chambre députée a lui-même étant saisie sous question, puisque séance là en continuation, est-ce que pas gain un petit problème du point de vue constitutionnel? N'a concerté, n'a gardé ensemble pour nous. Si pour aller vers interpellation ou bien est-ce que nous avons gardé nous capables de faire l'autre exercice beaucoup plus intéressant capable de conduire vers demande auprès du premier ministre pour que lui-même lui décide quitter le gouvernement. Déclaration sénateur Niplan Denis Kado qui c'est tout responsable et plateforme et politique Bouclier qui dit le regret des actes violence qui passaient week-end passé à et puis il souhaitait un changement qui fait dans le gouvernement pour population capable de reprendre confiance. L'autre point, il y a un paquet Port-au-Prince qui a arrêté 64 personnes qui accusé pour zak pillage, crasé brisé et puis mettre dix faits pendant moment tension week-end qui s'est passé. D'après commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Oknam Klame Damayus, il y a un individu pendant qu'il a posé zak déchoukay avec ça, il s'est prendre en main. N'ap suivre. Paquet a gétan arrêté 64 personnes dans le cadre du travail de poursuite li que l'a fait. Dans 64 personnes qui ont arrêté, nous avons arrêté pour acte de pillage, pour dévastation, pour destruction, pour incendie. Et dans 64 personnes qui ont paqué actuellement à faire poursuite contre yo, il y a 4 là-dedans qui nous joignent avec des produits pillés car qui vivent dans une maison à Pétionville. C'est dans Will Watson, numéro 54. Et actuellement, maison ça a li placé sous scellé en attendant que nous gagnions pour mettre li vin expliquer devant commissaire gouvernement qui sa moun sa ta fait en dan ka li a. Donc ça c'est information que nous gagnions nous partager avec vous. Et automatiquement des moun qui choisit pour faire pillage, pour détruire, pour incendier bien moun les ça ou vin faire face avec sa nrelé yon infraction pénale et infraction pénale sa yo c'est les articles 64 68
72 du code pénal et temps prison que moun sa yo gagné pour yo vivre c'est entre 10 à 15 ans. Tout moun ki arrêté pour pillage, pour incendie, pour dévastation et les ça ou gagné pour passer 15 ans en prison. Donc c'est risque ça que tout monde qui arrêté dans cadre pillage qui gagne dans Port-au-Prince là que yo couvre. Quel que soit moun que c'est ou même qui t'al dans pillage qui met produit la caillou. Que c'est moun qui t'al dans pillage qui vient déposer produit en la caillou. Que c'est moun qui t'al fait pillage qui vend nous produit là. N'a découvrir moi gagne toutes les informations quel que soit. Et pendant m'a parler là, moi gagne des maisons Port-au-Prince qui gagne produit pillé la caillou. Et tout dit yo, yo mettent même après n'abjure. Sur même dossier ça, député circonscription Mibalea Abel de Colline questionné absence paquet dans moment zak violence sa yo pendant le mandé pour traitement dossier moun yo arrêté yo fait dans respect la loi. Nous t'es condamné et nous condamné avec la dernière rigueur ça qui passé dans pays en termes de crasé brisé. Mais tout nous apprendre étendre avec la plus grande stupéfaction une conférence de presse que le commissaire du gouvernement monsieur Oknam Klamé Damehus li bay la veille pour que li annoncer que l'action publique en mouvement et que le fait état de 64 arrestations et pour la plupart c'est de moun que yo estimé qui te gagné de marchandises ou de matériel nan men yo qui te sorti nan cadre pillage qui te fait dans des entreprises. En cela, nous appelons mise en garde pour éviter que nous pas mettez l'huile sous du feu. Le commissaire du gouvernement Lila pour que le défende société. Et l'action de un commissaire d'un gouvernement, li doit faire avant, pendant et après. Plateforme nationale secteur populaire haïtien a déclaré le pas d'accord avec l'idée pour Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine qui était gouvernement, président plateforme nan, Dieudonné Lérisson encourager autorité concernée yo prendre décision plutôt pour changer quelques ministres avec directeur général qui t'a handicapé pour voir en place là une façon pour empêcher pays à connaître plus mauvais moment. Yon extrait dans micro Élisée Arcolo avec Bernard Marseille. Plateforme nationale secteur populaire haïtien opposé à un changement gouvernement jodi a. Mais n'a dit président Jovenel Moïse, après ça qui finit passé dans le pays, il faut qu'il y ait un pile physique qui saute. Nous connaissons un pile problème en dans le gouvernement. Tout ministre avec directeur général qui n'a pas fait travail peuple là, il faut que tout aille. Plateforme nationale, secteur populaire haïtien, profitez même occasion ça. Pour condamner le comportement d'une équipe mauvais politicien qui a fait vieille manœuvre pour créer instabilité sociale et politique à chaos dans le pays. Plateforme nationale secteur populaire haïtien a fait considération ça. Pour opinion publique là, un, dans un mois et demi, c'est pour aller rentrer des classes. Côté que, en pile maman petite et papa petite, pourquoi qu'il y a une possibilité pour prendre canet timounio qui est dans la direction de l'école. Yo. Deux, pendant 17 mois, qui sont passés là, pas aucun programme social que le gouvernement mettait en place qui atterrit dans le quartier populaire pour te permettre
même secteur populaire, te ralon souffle. N'a demandé président Jovenel Moïse pour décréter en urgence sous tout pays un programme apaisement social qui pour toucher toutes 146 communes, toutes 570 sections communales qui pour atterrir dans le quartier populaire, dans le ghetto, qui pour ramener confiance dans la population. Mouvement patriotique populaire des Salinières MOPOD encourager tout secteur dans la vie nationale là pour un route dialogue pour permettre la stabilité établie dans le pays et puis rester sous chemin développement. Coordonnateur MOPOD là, Jean-André Victor, déplore les actes violence pays a connu week-end passé pendant le présenté sympathie par les victimes. N'a pas présenté sympathie et condoléances à tout le monde qui est victime. Dans le cas de brisé qui s'est fait dans le week-end dernier, nous avons dit à la population que nous-mêmes, tout, nous regrettons ce qui est passé. Mais nous comprenons ce qui est passé. Nous disons qu'il faut camper pour nous rentrer dans la conférence nationale souveraine. Et le ça, nous avons créé espace. Un, pour répondre à la revendication populaire. Deux, nous avons créé espace pour nous résoudre problème instabilité politique nous gagnons de façon durable, de façon méthodique, de façon rationnelle. Parce que si nous établissons règles, si nous voulons respecter règles, nous avons fait, même dans l'autre pays, fait, nous disons, il est temps pour réaliser que nous avons besoin de gauchita tant des arts. Plateforme militante Tête Calée dit condamner les actes de violence, pillage qui fait dans la région métropolitaine. Non, porte-parole militant Tête Calée, Antonio Dorsainville, prêche tête ensemble, dans mi-temps tout petit pays. Plateforme non renouvelé engagement pour l'accompagner président République, Jovenel Moïse, dans la décision le prend pour accompagner la population. Yon extrait. N'a dit peuple haïtien. Nous avons voté président Jovenel Moïse pour 5 ans. Eh bien, journée aujourd'hui, il y a un petit désordre qui t'a fait. Président Jovenel Moïse, t'en est pris nous, l'y redresser. Eh bien, dans ce sens-là, nous avons demandé au peuple haïtien de retourner à notre travail, nous, à notre toute activité. Nous. Parce que nous avons payé ça à tout moment pour le faire avant. Bon équipe, un petit groupe. Pour faire payer ça, faire bac. Alors, tant que j'en te compte, dit, nous sommes entrés 7 fois, 77 fois, faut payer à changer. Faut payer à continuer à avancer. Dans ce sens-là, on a dit peuple là, mais qui complot Cap Maré là. Si on a regardé sur les réseaux sociaux, côté que yon en pile, cabinet qui est monté là, côté que là en gauche, yo, moun qui anti-changement, yo, moun qui pas veut payer avancer, yo qui est cabinet, yo. Yo gen dit mais qui moun ka président, mais qui moun ka premier ministre, mais qui moun ka ministre ceci, ministre là, ministre l'autre. Alors c'est pour montrer nous, c'est un complot qui t'a marré depuis tant d'années sous deux peuples là pour ne capable pas avancer. Alors n'a dit monsieur ça yo, monsieur dame ça yo, c'est bien compté, mal calculé. N'a dit encore, c'est bien compté, mal calculé. Si Marie va monter, si Marie va descendre. Alors nous dit c'est vive pays d'Haïti. Vive peuple haïtien. N'a pas salué président nous. N'a pas salué tout leader conséquent. Dans quatre coins pays. Pas pendant intimidation. Peuple là, sorti à notre travail nous. Peuple là, sorti à notre activité nous. Pas pendant dans bris. Nex a fait parce que, on nous dit, majorité nex ça yo, nous t'en décapons parler à peuple là. Prends notre bris. Yo t'allé dans l'élection. Eh bien, pendant yo t'allé dans l'élection, combien de voix yo t'es fait? C'est qu'on a yo tout à profiter pendant gaz. À monter et puis pour y aller faire capital vos discours. N'après dire quoi, c'est bien compté, mal calculé. C'est bien compté, mal calculé. Si Marie va monter, si Marie va descendre, ouais, pas ouais, 2022, c'est droit pour l'autre monde. Responsable opération technique, direction départementale, protection civile, la Pierre-Marie Boutin dit DPC Sud pour le travail.
pour renforcer structure pendant période cyclonique là. Pierre-Marie Boutin mande collectivité territoriale yo fè sensibilisation pour communiquer à population information sur risque avec désastre qui ka gagner pendant cyclone. Yo extrait dans micro Falant Delphin avec Micho Joseph. Mission pour nous, c'est gagner zéro mort, d'autant plus pendant la saison cyclonique là, et pour toute activité de foule qu'on a faite au niveau département. Donc, il faut me dire que nous-mêmes, au niveau départemental, nous prenons toute disposition, parce que nous ne travaillons pas pour qu'on travaille avec la collectivité, donc la mairie, lui-même qui s'est gagné une équipe, et comité communal de protection civile, et brigadier, c'est bras opérationnel comité communal là. Donc, ça veut dire que nous prenons toute disposition de nous-mêmes, bon côté pas nous, pour nous informer magistrats, Jean-Ouest, c'était déjà ce dialogue-là. Une fois que nous avons information de cyclone, nous partageons avec tout magistrat, tout AZEC, tout KAZEC au niveau communal, parce que toutes 18 communes ont un brigadier qui l'a dans, de façon à ce que tout, pour prendre toute disposition, brigadier qui se bras opérationnel, pour utiliser dans éventuelle intervention qui a gagné pour passer dans la saison et cyclone. Et disposition, ça ne pas prendre seulement pour cyclone et Berry là que nous connaissons qui a gagné pour passer, mais pour toute saison cyclonique là jusqu'au mois de novembre. Par bon côté, nous-mêmes, nous sommes censés faire une caravane de sensibilisation okay, avec la mairie, toute équipe de protection civile là. Donc nous passons dans la zone à risque, donc sensibiliser la population, donc des mesures de précaution pour y'a pas si y a un cyclone qui a privé. Du côté communal, bien qu'on ne soit pas privé dans toutes les 18 communes, mais nous faisons sensibilisation de, par communication, magistrat, AZEC, KAZEC, comité communal. Donc c'est comme ça nous-mêmes, beaucoup de temps, nous sommes censés partager l'information ensemble avec eux pour être capables de toucher bien un but de situation. Vous toujours à suivre Grand Journal là, sous TNH. On prend dernière pause nous avant. N'a pas rappelé au titre, nous t'ai développé dans le journal ça, président association économiste haïtien Eddy Labossière recommande au gouvernement faire inventaire pour identifier, encadrer puis accompagner victimes dernier événement yo. Économiste là fait connait conséquences écrasé brisé week-end passé a pour elle gain pile impact négatif sur recette yo. Qu'il ait une institution qui a bénéficié prime assurance, qu'il ait un incident présenté risque, Fritz de Catalogne, yon expert dans affaires assurance, te bay quelques explications sur comment question assurance là traitée dans pays d'Haïti dans journal là. Fédération nationale et magistrats haïtiens au FENAM exprimé des accords avec Zag Briganday week-end passé à dans une note yo mette dehors membre FENAM yo di yo solidaire avec victime yo et puis souhaité gain justice qui rend. C'est tout ça de beauté pour dans journal là. Merci pour attention. Merci à tout le monde qui t'a participé, qui t'a rend journal ça possible. Nous souhaitons passer une très bonne soirée.